Salut à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour une vidéo sur le beauty bag juste énorme que j'ai reçu aux Victoires de la Beauté. Je vous remettrai en barre d'infos la vidéo de l'année dernière avec le beauty bag de l'année dernière et mon vlog de l'année dernière. C'est exactement le même style de soirée que j'ai vécu cette année, mais j'avais vraiment pas envie de vlogger. J'ai passé la soirée avec mon mari et avec Uriel, son chéri, et Morgane du blog More and More. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais du coup, la soirée des Victoires de la Beauté, c'est une soirée qui se passe à Paris, aux Folies Bergère. Les Victoires de la Beauté nous accueillent. Il y a des sortes de tas d'ateliers où vous pouvez vous faire belle, où vous avez des petites boissons à déguster, etc. Et à l'étage, en fait, vous pouvez rencontrer les responsables des marques, découvrir les nouveautés et les produits qui ont été donc élus aux Victoires de la Beauté 2016-2017. Donc ça, c'est un grand plaisir de découvrir toutes ces marques. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. On a vécu un super spectacle où on a pu voir le spectacle de Caroline Vignolle que j'ai adoré. Je vous avais snappé tout ça. Et puis à la fin, quand on repart avec un beauty bag. Alors malheureusement, il y a eu un gros problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais certaines filles, dont ma copine Pascal, n'ont pas eu le sac avec le beauty bag. Et logiquement, dans ce genre de soirée, à la fin, on repart logiquement avec le sac. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un gros bug de la part des Victoires de la Beauté. Je ne sais pas. Mais ils n'ont pas eu leur sac. Alors j'en suis désolée pour elles. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir. Je vous avoue que j'en suis quand même super contente. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors le voici. Il est toujours comme d'habitude tout noir avec un petit fil avec écrit donc les Victoires de la Beauté. Vous avez ici le magazine avec tous les produits qui ont été répertoriés. Moi j'ai pas reçu tous les produits, hein, mais j'en ai reçu une bonne partie. Donc je voulais vous les présenter, vous en parler pour ceux que je connais un petit peu et vous dire mon avis. Donc par quoi commenter? Alors j'ai eu, ça c'est grâce à ma copine More & More, ce qu'il a eu elle en plus. Moi je l'avais pas eu à la base dans mon beauty bag, mais c'est un produit qui a été élu aux Victoires de la Beauté. C'est le 9 lunes bébé, sommeil et détente, un baume dorsal qui va connecter, relaxer, hydrater bébé. Donc ça m'intéressait pour calmer les tensions et favoriser le sommeil dès la naissance. Donc ça m'intéressait beaucoup, donc j'avais envie de le tester pour ma fille. Ensuite, on a eu, enfin, je sais pas par quoi commencer tellement il y a eu de produits. Je crois qu'il y a une trentaine de produits. On a eu une coloration. En revanche, bon ça c'est sympa qu'ils le mettent, mais moi, je m'en servirai sûrement pas. Donc, c'est la couleur noisette de la marque Color & Care, Eugène Color. Donc, ça, c'est sympa, mais je pense que je vais donner à ma mère sans ammoniaque. Je sais pas du tout si vous connaissez, vous. Moi, je connais pas. Donc, on a eu aussi, donc, des. Ça sera pour ma mère aussi. Il y a pas mal de cadeaux pour ma mère. Hein. D'ailleurs, elle est là. Elle est en train de garder ma fille. Donc, elle va être très contente de recevoir tout ça en cadeau. De la marque Biosig. Donc, c'est une marque que j'apprécie particulièrement. Là, c'est un Active Impulp, un anti-âge réducteur de rides, mais c'est des capsules à prendre pendant 30 jours. Donc ça, ma mère testera, hein, je ne peux pas trop vous en dire des nouvelles. On a eu enfin, pour une fois, un produit de chez Carrefour, parce que Carrefour, d'habitude, ils donnent jamais de produits. Ils gagnent souvent les victoires de la beauté, mais ils offrent jamais de produits aux blogueuses. Donc là, c'est le Liposcience, l'huile minceur anti-cellulite, polisse et tonifiée. Donc ça m'intrigue, je pense que je testerai, parce que ça m'intrigue vraiment. Et ensuite, alors ça c'est un gros coup de cœur, on a eu un produit de la marque que j'adore, Saint-Gervais Mont-Blanc. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, c'est un soin anti-imperfection matifiant, donc celui-ci je ne le connais pas. Mais moi j'adore leur sérum, d'ailleurs il faut que je me le rachète parce que j'ai du mal à vivre sans. Donc voilà, j'aime beaucoup cette marque-là, donc n'hésitez pas à les jeter sur leur site, mais c'est des produits juste divins. Ensuite, on a eu une crème rare des antipodes pour la nuit, Rituel Manuka. Je sais pas si vous connaissez cette marque, il paraît que cette crème coûte très cher. Je la connais pas du tout, donc c'est une crème avec des anti-âge, une crème bio. Donc ça je pense que je vais me la garder et la tester après dès que ma crème de nuit sera finie. Je vous prends tout dans le désordre. Hein. On a eu Onobiol, des auto-bronzants. Donc la marque Biosig aussi en font des auto-bronzants à l'uniforme et lumineux, sans soleil. Des auto-bronzants, donc bon, ça, je sais pas si je les testerai parce que ceux de la marque Biosig, j'ai pas été convaincue, donc ceux-là. Je verrai. De la marque Sion, on a eu la crème de nuit anti-rides Q10. La crème de jour, pardon. Oh le boulet. La crème de jour anti-rides Q10. Donc ça, j'ai déjà eu l'année dernière, je l'adore. Donc ça, je la testerai avec grand plaisir prochainement. On a eu un produit de la marque Velleda, qui est une marque aussi que j'adore. Donc vraiment, les Victoires de la Beauté, ça me fait redécouvrir des marques, mais ça me fait aussi confirmer des marques que j'aime déjà. Là, en revanche, c'est pour les peaux matures, c'est un élixir redensifiant.
qui renforce la structure de l'épiderme, mais bon, c'est pour les peaux donc qui ont vraiment beaucoup de rides. Ensuite, encore une marque que j'adore, qui est la marque Embryolisse, secret de maquilleur, le lisseur bonne mine, soin défatigant immédiat. Comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, boîte aux lettres, je crois que je l'ai déjà reçu par la marque. Et honnêtement, je l'adore, je l'utilise tous les jours. D'ailleurs, je vous en parlais dans ma vidéo favori. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, on a eu deux produits de la marque Labelle que j'adore aussi, hein. Mais c'est trop bizarre. Plein de marques que j'adore. Celui-ci, je vous en ai parlé. Non, pas celui-ci. C'est celui-ci, je vous en ai parlé dans des vidéos favoris, tout ça. C'est le douche smoothie de Brésil. Et celui-ci, c'est au maracuja citron vert. Et celui-ci, ananas maracuja. Guarana, pardon. Ils sont juste divins, hein, les odeurs. Divine, divine, divine. Ça, je les adore. Donc, ça, c'est top. Toujours de la marque Nobiol, on a eu quoi? On a eu. Ta, 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 ta. Des compléments alimentaires pour réduire visiblement le volume des poches au niveau des yeux. Ça, des petites pilules bleues. Donc bon, je ne sais pas si je testerai parce que j'ai pas de poches sous les yeux. Je verrai. De toute façon, il y aura sûrement des produits que je vous offrirai aussi dans des futurs concours, peut-être aux 15 000 abonnés. Je vous préparerai peut-être des box. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire le genre de cadeau que vous voulez pour les 15 000 abonnés, ça m'intéresse. De la marque Ocean, on a eu les nouveautés, les petites crèmes comme ça pour les mains qui coûtent 1 € d'ailleurs. J'en ai racheté. Là, c'est au lait et lavande. Elles sont juste divines. Elles sont très très bonnes et elles hydratent très très bien. Donc, pour 1 € ça vaut le coup. C'est un peu le style packaging L'Occitane. Ensuite, on a eu un espèce de soin pour les cheveux colorés, pour maintenir l'éclat de la couleur, de la marque Coiffance Professionnelle. Donc ça, c'est golden, mais on ne sait pas trop c'est pour quelle couleur de cheveux. On n'est pas très clair. Avec les copines, on s'est posé la question, on ne sait pas trop. Donc je ne sais pas si je peux l'utiliser pour mes cheveux ou pas. Là, gros point d'interrogation. Ensuite, on a eu des produits de la marque Lovea, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui font des produits quand même assez naturels, à zéro sulfate, zéro silicone, et c'est leur nouveauté, les shampoings. Shampoing Coco Paradise, je peux vous dire que ça sent trop, trop, trop bon. Et shampoing Cranberry Euphorie, ça sent trop, trop, trop bon. Alors, je ne sais pas s'ils ont leur après-shampoing de la même gamme ou pas, mais j'espère, parce que ça me donne trop envie. Ensuite, on a eu une crème pour les mains. Crème sérum anti-âge anti-tache de la marque Neomist, qui paraît qui coûte très très cher aussi, mais il paraît que c'est une super 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 crème pour les mains. Donc ça, je vais la garder, même si c'est anti-âge, je vais la garder parce que j'ai envie de voir. J'adore les crèmes anti-âge, les crèmes pour les mains. Donc ça, j'ai hâte de voir. Un lait nutritif pour le corps, un soin efficace 24 heures de la marque Palmer's, formule au beurre de cacao, qui a été donc élu aux Victoires de la beauté. Et j'en ai entendu beaucoup parler par Mélanie. Je vais quand même le tester pour voir ce que j'en pense. Si ça ne me plaît pas, je vais lui donner parce que je sais qu'elle l'adore. Mais j'ai envie de le tester parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue de savoir s'il est vraiment bien ou pas. On a eu une espèce de mousse micellaire nettoyante. C'est ça, j'adore ce style de produit sous la douche. De la marque Corinne de Farm. Et pour tout type de peau, même sensible. Donc ça, c'est super cool. Donc, vous avez vu, c'est varié. Il y a beaucoup de soins anti-âge. Mais il y a quand même aussi d'autres choses. D'ailleurs, là, on arrive vers d'autres choses, hein, d'autres produits. On a un produit, bon, je dis ça, mais je pioche un produit outillage. Un produit jour et nuit, une crème soin intégral multi-bénéfice de la marque IDC+, qui a déjà gagné l'année dernière. Hein. Ils ont déjà gagné, je crois qu'ils ont gagné encore un prix cette année. Donc ça, je l'avais déjà eu l'année dernière, je l'avais donné à ma mère d'ailleurs, je pense qu'elle a adoré. On a eu un grand produit comme ça au packaging très étrange, très moche, hein, faut dire. De la marque Auré Science Paris, et c'est un gel multi-réducteur pour ventre, cuisse et bras. En revanche, le produit m'intéresse. C'est vraiment une grosse crème énorme, mais au moins pour une fois, ils sont très généreux. Il y a combien là-dedans? 280 ml, et c'est donc pour raffermir la peau au niveau du ventre, des cuisses et des bras. Ils ont tout compris. Parce que c'est vraiment les zones les pires. Ensuite, on a eu deux produits de la marque Sweet Face et Sweet and Dry, qui sont des sortes de serviettes. Alors la grande, c'est une serviette microfibre pour les cheveux. Alors moi, j'ai hâte de savoir si ça va aller pour ma taille de cheveux, hein, parce que à chaque fois que j'en ai acheté, elles étaient trop petites pour ma tignasse. Mais du coup, c'est hyper pratique ces trucs-là si vous avez des cheveux qui rentrent dedans, si vous n'avez pas les cheveux trop longs. Et ils ont sorti aussi de la même marque Sweet Face, le fameux grand démaquilleur.
le gant qui démaquille sans produit, juste avec de l'eau. Là, vous en avez deux. Je crois que ça vaut 15 euros, ceux-là, en commerce. À vérifier. Je vous remettrai tout ça, de toute façon, si je trouve des infos ou quoi. Mais du coup, elles sont très douces. Elles sont vraiment très efficaces parce qu'on les a vues en action le jour J. Et j'ai hâte de les tester aussi parce que bah, j'en ai déjà une de chez Action qui marche très bien. Donc ça, je suis sûre qu'elle sera très, très bien aussi. Et vous en avez deux pour 15 euros, alors que celle chez Sephora, vous n'en avez qu'une pour 16 euros. Finir. Alors, je crois que c'est le dernier produit. Hein. Après, c'est des prospectus et des pubs. Pour finir, on a eu un. Alors, comment ça? Qu'est-ce que ça s'appelle? Des masques pour le visage à la truffe et au cacao. Des masques 3D, ils appellent ça, à poser 15 à 20 minutes. Donc, de la marque Kin's Girl. Kin's Girl. Je pense que c'est une marque asiatique si je m'en souviens bien. Donc voilà, vous avez le tuto hein, derrière comment faire. Et ça a l'air très sympa. D'ailleurs, le packaging est très très sympa avec des cupcakes, des glaces, des machins, des trucs. Ça a l'air pas mal. J'espère que ça sent bon d'ailleurs. Ça donne envie. Mais voilà, ça, les masques, c'est toujours utile et c'est juste trop trop bien pour s'en servir. Donc voilà pour les victoires de la beauté. Vous avez vu que ce sont des marques que j'aime beaucoup, dont l'OVEA. Embryolisse, Corinne de Farm, c'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Sienne, alors d'ailleurs, ils ont gagné trop trop de prix, Sienne. Entre, ou Sion, je sais jamais comment on dit, Sion, Sienne. Entre la crème pour le visage, je crois, le jour, la nuit, ils ont remporté encore une victoire. Les crèmes pour les mains et les produits hommes, d'ailleurs, j'en ai acheté un tout à l'heure pour mon chéri, parce que comme on l'avait repéré pendant les victoires de la beauté, bah là, tout à l'heure, on a été lui en acheter une. Donc voilà, ils ont vraiment pas mal de produits. J'aime beaucoup aller aux Victoires de la Beauté. Pas que parce que j'y reçois ce superbe sac, mais parce que c'est un moment où je retrouve toutes mes copines blogueuses, youtubeuses. Et du coup, c'est un moment de partage. J'adore, j'adore. Je retrouve Éléonore, Anne-Sophie, des blogueuses. Enfin voilà, je vous mettrai toutes mes copines comme ça en barre d'infos si vous voulez aller les découvrir. Mais c'est vraiment un grand moment de partage, une soirée vraiment sous le signe de la beauté. Et c'est juste un grand, grand plaisir. Donc je remercie encore Manuela qui nous permet de participer à ces soirées, la Manuela du Poulet de Blog. Donc j'ai été aussi ravie de la retrouver, de la revoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les produits qui vous plaisent, les produits que vous aimeriez bien revoir dans une grosse box cadeau. Et en attendant de vous lire, je vous fais plein de gros bisous. Salut!